tu sais. Seigneur, tu sais, quand je m'assieds, quand je m'assieds, tu me sondes et tu me connais. Tu sais, Seigneur, quand je me lève et tu pénètres ma pensée. Grande acclamation à Jésus de Nazareth. Avec des cris de joie et des cris de victoire, Jésus. Au fond d'acclamation à Jésus de Nazareth. Avec des cris de joie et des cris de victoire, Jésus. Merci. Joie pour l'académie. Dans quelques minutes, l'académie va ouvrir les portes. Le Seigneur Jésus-Christ récompense. Notre Seigneur Jésus-Christ récompense. Alléluia. Amen. Ton travail n'est pas vain. Ton sacrifice dans le siècle présent sera récompensé. Amen. Tout ce que nous sommes en train d'accomplir pour la gloire du Seigneur, nous aurons notre récompense ici, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Amen. Alléluia! Thank you.
Je suis fils spirituel du professeur Dieudonné Djamène, qui a été confié au pasteur Todor Andossé. Alléluia. C'est fini. Dis maintenant, qu'est-ce que tu n'es pas un pasteur? Alléluia.
Je suis pasteur à la méga église du quartier général à Koumé. Amen. Tu peux maintenant ajouter que tu es journaliste à la RTVC. Pour vous servir, je suis journaliste à la RTVC. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Gesuel Joseph, dans la nation spirituelle de Garoua, missionnaire dans le secteur d'Ibibemi. Je suis le fils du frère Bello, adapté à la sœur Marie. Gloire à Dieu. Donc, je suis le dirigeant de secteur dans l'arrondissement d'Ibibemi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le frère Bingoulou, bienvenue ma gloire, disciple du frère Alphonse Tawet, un des dirigeants de la méga église à Koumé. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je suis le frère Numba Nicolas, disciple du frère Alphonse Tawet, un des dirigeants du centre de Tigaza, dirigeant une base de conquête dans ce centre, un dirigeant de l'église du quartier général. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Ngeleodai Emana Grégoire, missionnaire dans la nation spirituelle de Garoua. Je suis également responsable du secteur Kalkoussam, disciple de la sœur Marie Bello. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis votre bien-aimé frère, le frère Jean-Jacques Ebélé. Je suis fils du frère Jean de Dieu Washi. Je suis missionnaire itinérant. Là où on m'envoie, je vais. Donc, et je suis de la nation spirituelle de Garoua. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Maton Jean-Paul, disciple du pasteur Alphonse Tawet. Je suis le pasteur du centre de Tigaza dans l'église du quartier général. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre bien-aimé Dobsumna Gabriel, disciple de la sœur Marie Bello, missionnaire dans la nation spirituelle de Garoua, dirigeant dans le secteur de Babla. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Bia qui est aux gens. Je suis le disciple du frère Todor. Et je suis le pasteur du centre de Batouri. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis Yonwa Jonas, fils du frère Paul Bello, l'un des membres de l'équipe dirigeante de la nation spirituelle de Garoua, en charge de la conquête des âmes. Amen. Je m'appelle Félix Ebane, disciple de la sœur Ariane Barga. Je suis l'un des dirigeants dans l'église de Douala, chargé de la conquête des universités. Amen. Jésus. Gloire à Dieu. Je suis le frère Narcisse Abomo. Je suis le disciple du frère Bruno Chonzo, missionnaire métropolitain Douala, Cameroun. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est votre frère Bidan Mingé Bonaventure. Je suis fils spirituel du pasteur Paul Jules dans l'Acadie. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Tawet. Je suis missionnaire sur tapis rouge dans la province spirituelle de l'Acadie. Amen. Gloire à Dieu. Jésus. Je suis le frère Jean-Marie Baudion de l'église de Douala. Je suis disciple de l'ancien Samuel Tsotou. Je suis l'un des dirigeants des jeunes dans l'église de Douala,
Je suis missionnaire métropolitain dans l'église de Douala. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Moi, c'est le frère Bruno Tiadier, disciple de la sœur Henriette Barga, pasteur des jeunes convertis de la ville de la métropole de Douala. Et je suis aussi aide et fils du frère Martin pour m'assurer que l'église de Douala soit 2 millions de membres dans les 5 prochaines années. Gloire à Dieu! Je suis votre frère Daïsou Eloi, disciple de la sœur Anne-Clarisse, missionnaire national dans la nation et spirituelle de Garoua. Amen. Amen. Gloire à Dieu! Je suis le frère Talatene Constantin, fils du frère Antoine Kala, missionnaire métropolitain, et j'assiste le frère Antoine Kala dans la conquête de la ville de Douala. Amen. Alléluia. Je suis le frère Ernest Billet, disciple du frère Séraphin Com, confié au frère Théodore. Je suis missionnaire au quartier général, posté auprès des universités et dirigeant de la province spirituelle de l'Université de Bertois. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère d'Ara Victor, disciple du frère Théodore Andossé, missionnaire international au Tchad, basé à Moundou. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis Maxime Foulou, disciple de la sœur Anne Nané. Je suis missionnaire au quartier général, basé auprès de la province spirituelle des universités. Je suis le collaborateur du président mondial des jeunes, le frère Joseph Ngandé, dans la conquête des jeunes et des étudiants dans notre ministère. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je suis Welga Jean-Pierre, disciple du frère Sama Israël, l'un des dirigeants du centre de Koumé dans l'église du carré général. Amen! Gloire à Dieu! Je suis le frère Gilbert Rongoumi, disciple du frère Paul Bello, actuellement adopté par le frère Théodore. Je dirige un centre dans l'église locale de Garoua et un secteur dans la nation spirituelle de Garoua. Je suis aussi l'un des membres de l'équipe de coordination de l'œuvre dans la nation spirituelle de Garoua. Amen. Gloire à Dieu! Je suis le frère Emmanuel Aouman, disciple du frère Théodore, missionnaire international en République centrafricaine, basé dans la ville de Berberati. Jésus-Christ. Donc, nous allons inviter le chef de délégation qu'il vienne nous dire pourquoi ils sont là. Alléluia! Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ici, à ce cours. Je voudrais dire d'emblée que nous que vous voyez ici ce soir, personne n'est venu de lui-même. La plupart d'entre nous ont été choisis nommément, surtout ceux qui sont au quartier général. Et le même jour, il a donné des instructions que la nation spirituelle de Garoua soit appelée, que Douala soit appelée, et que ces églises apprêtent des missionnaires pour envoyer ici à l'école. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Merci. Et il a vraiment personnellement pris les choses à cœur.
Parce que tous les moyens financiers pour le transport, les billets d'avion, les cadres sanitaires et tout ont été financés séance tenante. Donc pendant la réunion, pendant que la réunion suivait son cours, l'argent a commencé à être suscité et immédiatement, les noms ont été donnés, ceux qui devaient venir. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de joie, Jésus de Nazareth. Merci. Nous sommes venus parce qu'il avait un fardeau, et il a un fardeau réel dans son cœur pour ce qui concerne la croissance des églises au niveau de la base d'abord au quartier général et au niveau des églises tout autour au Cameroun. Et l'un des fardeaux majeurs, c'est les effectifs. Nous travaillons, nous gagnons les âmes, nous évangélisons, mais nous avons un problème. C'est qu'après un temps, on se rend compte que plusieurs n'ont pas intégré. Il y a quelque chose qui manque. Le frère Tedon nous a envoyé avec comme un cri de cœur. Parce que le jour où il priait pour nous, il a crié, « Oh Dieu, fais que tes enfants reviennent étant totalement transformés. Fais que là où ils vont, qu'ils reçoivent la haine des œuvres du diable dans la vie des gens, dans la vie de leurs brebis. Qu'ils reçoivent la compassion pour les brebis qui souffrent, pour les brebis que le diable est en train de maltraiter, qu'ils soient des instruments que Dieu va utiliser pour la croissance de l'Église. » Et nous avons dit « Amen ». Et ça nous a beaucoup touchés de voir que le fardeau est réel, de voir que notre leader a un besoin, il a besoin des hommes formés, capacités pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout maintenant. Consacrons, avant la consécration, proclamons qu'il y a déjà ouverture de la deuxième session. Proclamons-le ensemble. Nous proclamons que la deuxième session de l'Académie passera. La deuxième session de l'Académie des pasteurs ouvre ses portes ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Consacrons la deuxième session au Seigneur Jésus-Christ. Levons nos mains. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Nous te consacrons cette deuxième session. Elle est à toi. Permets que le but de cette session soit accompli. Permets qu'il entre dans tes desseins. Permets qu'il soit accompli. Permets qu'il soit accompli. Oh, rakabaka jorobaka gobaka jorobaka gobaka jorobaka gobaka jorobaka 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 gobaka jorobaka habaka jorobaka 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 gobaka jorobaka sekabaka. Prions au nom de Jésus pour détruire toute œuvre du diable contre cette deuxième session. Tout ce que le diable a suscité, tout ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible contre cette session, brisons, bannissons, écrasons, prions ensemble. Au nom de Jésus, nous brisons. Nous bannissons, nous écrasons toute œuvre du diable agissant dans les ténèbres contre cette deuxième session de l'Académie des pasteurs. Nous libérons l'onction nécessaire. Nous libérons les révélations.
Nous libérons les révélations. Nous libérons les révélations. Nous libérons les volontés. Nous libérons les intelligences. Et nous bénissons chaque participant. Orabaka, prions Allah. Kerebaka seka baka serebaka. Orabaka seka baka raka sende. Oriaka seka raba sende ka. Oli kerebata. Yeta raba sengo. 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 Crions à Dieu que l'esprit de sagesse et de révélation soit donné à chacun. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu donnes à chacun un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Oh Jésus-Christ. Afin que ta connaissance révélationnelle embrase ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Protégeons physiquement contre toute maladie qui peut affaiblir quelqu'un dans sa concentration. Prions ensemble. Et nous prions. Il n'y a personne qui est malade. De telle sorte qu'ils soient affaiblis. Au nom de Jésus, nous les bénissons. Prions que ce sujet de prière de l'unité mondiale soit exaucé. Prends le micro, tu lis ce que tu as noté. Le leader mondial a ce fardeau si à cœur en envoyant les académiciens à cette édition de l'école pastorale. Ô Dieu, que tes enfants reviennent étant totalement transformés, qu'ils soient remplis de la haine des œuvres du diable, qu'ils soient remplis de la compassion pour les brebis qui souffrent, qu'ils soient des instruments que Dieu va utiliser pour la croissance des églises, notamment les églises Totou à la base, Totou au Cameroun, les effectifs. Pourquoi? Parce que les frères travaillent dur et ils gagnent les âmes. Mais cependant, après un temps, ils se rendent compte que les gens n'ont pas intégré l'Église. Gloire à Dieu. Prions en langue. Notre Père, qui peut répondre à ce besoin? Seigneur, qui peut satisfaire à ce besoin, Seigneur? Nous crions à toi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Toi qui as transformé, transporté tes enfants jusqu'ici. Nous crions à toi, Jéhovah Jireh. Nous crions à toi, souverain berger. Nous crions à toi. Nous crions à toi, le bon berger. Viens satisfaire à ce besoin. Oh, notre cri de cœur, c'est que tu descendes. C'est que tu descendes à cette édition, oh Seigneur Dieu. Pour répondre à ce cri, pour répondre à ces larmes, pour répondre à ces cris, à ces supplications. Oh, souverain berger, nous te supplions. Nous te supplions. Oh, rabaka, 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 rabaka. Oh, rabaka, 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 rabaka. Oh, rabaka, 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 rabaka. Oh,
Seigneur, nous insistons que ce fardeau qui pèse et qui continue de peser sur le cœur de notre leader mondial, que tu ouvres le ciel comme tu l'as enregistré dans le ciel. Agis d'une manière à ce que ce fardeau soit entre tes mains. Que le besoin de l'Église soit satisfait. Qu'il y ait la transformation dans la vie de nos frères. Qu'il y ait une impartition divine. Qu'il rentre dans la solution à ces âmes qui pleurent. À ces âmes qui errent. Nous crions à toi, Seigneur, qu'il y ait une chirurgie dès maintenant, Seigneur, dans la vie de nos frères, qui permet, notre Dieu, ta transformation. Nous prions que le ciel reste ouvert au-dessus d'eux pour produire cette armée puissante qui va aller dans nos églises pour apporter les solutions, pour être notre Dieu, des ministres de délivrance, pour être des hommes qui apportent la solution aux brebis. Nous prions notre Dieu que le fardeau qui est sur le cœur de notre bien-aimé, le leader mondial, que ce fardeau soit notre Dieu accompli par toi. Seigneur, Seigneur, nous crions à toi parce que toi seul peux satisfaire ce besoin que l'Église a. Et l'Église te présente. S'il te plaît, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème sur lequel nous allons travailler est l'unité d'enseignement qui sera développée. C'est implantation des églises locales et développement des ministères en vue d'une croissance numérique et qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment implante-t-on une église locale? Et quand cette église locale est implantée, quels sont les ministères qu'il faut développer pour que cette église-là puisse croître numériquement et qualitativement? Une église implantée doit grandir en nombre et en qualité. Cette croissance en nombre et en qualité est impossible si on ne développe pas certains ministères pour soutenir le troupeau qui s'accroît. C'est dans ce processus que l'on rencontre les choses comme l'organisation de la prière. Ça devient les centres de prière, les maisons de prière, les groupes de prière, les chaînes de prière. C'est l'une des principales choses qu'on doit développer. Et on en parle abondamment dans notre ministère. On peut développer le ministère du jeûne. On peut faire en sorte que chacun puisse jeûner, même si c'est un jour. Que toute personne puisse jeûner selon ses capacités. C'est là qu'on organise les choses comme les miséricordes. Mais l'une des principales choses à développer, c'est le ministère des délivrances. Si une église locale néglige la délivrance, le ministère de délivrance, elle verra les gens venir et les gens repartir. Les gens venir et les gens repartir. Elle pourra tourner autour d'un certain effectif, mais sans explosion. Sans explosion. Et c'est ce qui arrivera toujours. Donc,
la deuxième session, la première session comme la deuxième, sont la première était consacrée au brisement des liens. Celle-ci, c'est la même chose. Et nous allons parler aussi du renversement des principautés. Parce que les gens sont sous des malédictions. Et la malédiction a plusieurs natures. Les malédictions ont plusieurs natures, c'est-à-dire plusieurs causes. Nous connaissons naturellement la cause du péché, mais il y a d'autres causes qui soutiennent la malédiction dans les vies des individus. Donc nous allons passer le temps à prier et à réviser ces notions, mais en créant pour chacune des champs précis d'application pour que cela soit compréhensible, aisément compréhensible. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es là? Oui. Implantation des églises et développement des ministères en vue de la croissance numérique et qualitative. En phase sur en finir avec le passé. En finir avec le passé, tout un chapitre, c'est une chaîne d'action. Une chaîne d'action pastorale. Et je vous dis une chose, écoutez. Vous êtes déjà choisis. Ne soyez pas aveugles. Vous êtes déjà choisi. Un démon ne peut pas te mettre dans l'avion et déposer dans cette salle. On dit que Satan fait les choses. Satan ne peut pas te mettre dans l'avion et il te dépose là où tu es assis. Là. Il y a des choses que Satan ne pourra jamais faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et qui vous est établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Là où vous êtes là, c'est fini. Vous allez rendre ministère aux frères. Vous allez réaliser que vous comprenez les mystères. Vous comprenez les mystères. Vous allez voir. Je veux vous montrer mes cahiers d'entretien, quand je travaille avec une âme, quand une âme, quelqu'un m'explique ses problèmes, je ne comprends rien. J'écris, Seigneur, que faut-il que je fasse? Au début, je faisais sans savoir ce que je faisais. Depuis Douala, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Après, j'ai réalisé que pendant que je travaille, Dieu m'explique ce que je dois faire à cette personne. Et quand je fais, ça marche. Alléluia. Et dès que ça marche, une fois, le frère Jean dit que quand tu as eu une expérience, il faut la répéter pour qu'elle devienne une habitude. Ne reste pas à une seule expérience isolée. Là où vous êtes, aucun sorcier ne peut vous empêcher d'accomplir le but pour lequel vous êtes venu. Aucun sorcier. Les sorciers font des choses. Il y a des choses que les sorciers ne peuvent pas faire. C'est ce que Dieu nous a montré en Égypte, quand les magiciens de Pharaon ont tenté de faire comme Moïse. À un moment donné, eux-mêmes, ils sont partis en délégation dire à Pharaon que ça, c'est le doigt de Dieu. Tous, d'un commun accord, que ça, là, c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas faire ça. Alléluia. Vous devez croire en vous-même. Quand le Seigneur dit, tu es le sel de la terre, si tu ne crois pas, qui va croire à ça? Si tu ne crois pas, quand tu as... Bon, j'ai fêté 64 ans en février, le sel. Si je ne crois pas à 64 ans, je veux croire à 105 ans. Pour me lever à 105 ans, quand tu te lèves là, et puis tu t'assois encore.
C'est là que je veux me lever pour dire aux démons, Jésus t'a vaincu. Crois maintenant. La parole de Dieu dit, afin que Christ habite en vous par la foi, c'est toi-même qui fais habiter Jésus en toi. Jésus n'abandonne personne. Si tu crois qu'il est au ciel, tu as bien fait. Si tu crois qu'il est au ciel et qu'il est dans ton cœur, tu fais mieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Seigneur, que faut-il que je fasse? Le Seigneur peut te dire que cette personne est envoûtée. Tu sais que l'envoûtement, c'est quoi? Il y a des gens qui entendent qu'on brise les tombes. On n'a pas cru comme ça, on commence à casser les tombeaux dans les cimetières. Non. On a cru. J'ai cru en 81. C'est dans les 2018, on prie comme ça. On prie dans la salle, une salle comme celle-ci. Quelqu'un te dit que, on a même vu ça à Douala, une sœur dit qu'il y avait un cercueil, une main a ouvert, c'est elle qui était dedans, elle est sortie. Toi, tu vas lui dire qu'elle ment. Elle ment. Non. Toi, tu diriges la prière. Quelqu'un te dit que la prière que tu nous as fait faire là, je viens de me voir moi-même dans un cercueil et une main a ouvert, je suis sorti. Quelle doctrine tu vas créer dessus? On appelle ça l'expérience. C'est après que tu réfléchis toi-même pour comprendre. L'envoûtement, les marabouts nous racontent l'envoûtement, mais on néglige. Il y a des gens, ils vont quelque part, on creuse la tombe, on les met dedans, on ferme, après on enlève encore. On t'a envoûté. Tu marches, mais ton esprit est dans la tombe. On t'a montré, mais tu n'as pas compris. Donc, quand le Saint-Esprit ouvre les yeux, si vous détruisez cette tombe-là, l'âme de la personne va sortir. Quand quelqu'un est envoûté, il ne fonctionne pas bien. Tu peux le gronder, tu le réprimandes, il ne fonctionne pas bien. Parce que son esprit n'est pas là. Mais il ne meurt pas. Envoûté, c'est subjugué, enfermé, dompté. On peut t'envoûter, tu abandonnes ton travail. Quand tu vas au travail, ton cœur bat, tu rentres à la maison. On te cherche, on ne te voit pas. On dit qu'il a fui le travail. Une sœur m'a dit un jour qu'ils avaient un voisin qui avait failli les empoisonner. Ce voisin devait plusieurs mois de loyer au propriétaire de la maison, mais il ne payait pas. Ils sont partis voir un marabout, il leur a donné un médicament. Ils ont mis ça sur sa porte. Quand il a traversé, il est parti chercher l'argent, emprunter à quelqu'un beaucoup d'argent pour payer tous les arriérés. Et puis il a emballé ses bagages, il est sorti. Le médicament qu'ils avaient amené était pour le chasser de la maison. Il a d'abord cherché l'argent, la maison qu'il ne payait pas. Il a cherché l'argent, il a payé tout. Il a pris ses bagages, il est parti. Quand on t'envoûte, on adore un esprit. On lui offre des dons. On peut lui offrir les œufs, même l'argent. Ça dépend du marabout que tu as consulté. Le marabout te dit apporte telle chose, apporte telle chose. Lui, il adore ces démons. Et il dit de venir, il dit au démon, il t'a apporté ça pour que tu l'aides. Va avec lui. Tu es déjà envoûté. Toi-même qui es parti prendre là, tu es déjà envoûté. Parce que les liens, il y a le lien de redevance. Quand tu dois à l'ennemi, soit tu as dit, si je réussis, je viendrai payer. Tu es déjà lié. Et la personne sur qui tu as pratiqué ça est déjà liée, envoûtée. Est-ce que nous sommes ensemble?
Donc, le Seigneur te dira que celui-ci-là a été envoûté. On était en train de prier pour une personne en France, en ligne. On chasse le démon. Les frères ont chassé le démon depuis 10 heures, jusqu'à près de 22 heures par là. Et ce qui était grave, c'est que la fille était en transe, donc elle ne pouvait plus revenir en elle-même. Et il fallait qu'ils arrêtent, parce que la police, là-bas, les gens ne font pas comme ici. Quand on ne peut pas dire acclamer comme on fait ici, les deux, trois fois, tu vois les gens venir vous chasser. Et ils tirent même avec des tirs de sommation, comme si vous êtes des bandits. Donc l'heure était arrivée pour qu'on arrête, on ne pouvait pas arrêter. Ils m'ont appelé. Je chasse zéro. Je juge zéro. Je parle en langue zéro. Je leur ai dit, attendez. Pour certains cas, le démon n'est pas dans la personne. C'est la personne qui est enfermée quelque part. Donc quand vous dites même démon sort, et même ils sont étonnés que vous ignorez la vérité. J'ai dit, nous allons casser la karma. Elle doit être enfermée dans une prison. Nous allons casser la prison, elle va sortir. Frère, j'ai dit prions. J'étais encore en train de dire nous cassons la prison. Passeur, c'est fini. Elle est revenue, c'est fini. Ça là, ce n'était pas écrit dans un livre. C'est sur place. L'Esprit te dit sur place que celui-là n'est pas, le démon n'est pas en lui, il est dans une prison. Cassé, il va sortir. Sinon, vous allez rester là, sort. Et puis, la personne est là. Et si ça fait 2 jours dans un état second, c'est une querelle. Les parents, les amis ont dit, vous avez rendu quelqu'un fou, tout ça. Donc, Dieu est dans cette affaire. C'est un ministère de révélation. Vraie révélation. Pas que tu fabriques. Une femme m'a dit, c'est dans le brisement de liens, que moi je sais d'où je suis venu. Pour la première fois, je vois quelqu'un sur la terre qui me dit qu'avant ma naissance, j'étais quelque part. Elle dit, nous étions deux, moi et ma petite sœur. Je devais sortir, on devait sortir à deux. Nos parents étaient des Européens, des Blancs. C'était des Blancs. Et le père était méchant. Je regarde, je ne comprends même pas ce qu'elle dit. Et nous sommes sortis. Quand je suis parti, ils ont retenu ma grande sœur. Et oui, c'était sa grande sœur. Et je suis né. Et dit, ma maman, quand elle était enceinte, elle a vu un bébé dans un ravin en rêve, avec le teint roquin. Et quand je suis né, et puis elle est comme ça. Comme la maman avait vu en rêve, c'est quand tu la vois, t'es un requin, les yeux, tout. Je n'ai pas discuté avec elle. J'ai dit, mais Seigneur, donc pendant que je l'écoutais, j'ai dit, mais Seigneur, on dit qu'il n'y a pas la réincarnation. Non. Donc je suis parti. J'arrive, j'entends mon fils. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de réincarnation. Mais il y a l'incarnation. Il y a des esprits anciens qui peuvent posséder un bébé dans le ventre de sa mère. Et quand un esprit ancien a incarné, c'est qu'un esprit vient habiter le corps de quelqu'un, d'un autre. Ça peut être le corps d'un animal, un chien, un chat. Un sorcier peut incarner un chien, vient te mordre. Il te mord même avec, méchamment. On se demande, quel est ce genre de morsure? Donc, il me dit, il y a l'incarnation existe. Un ancêtre habite en elle. Et habiter en elle, elle lui donne une connaissance ancienne des phénomènes. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils arrivent quelque part, ils ont l'impression claire qu'ils étaient déjà là, alors que c'est la première fois qu'ils voient cet endroit. Ils ont l'impression qu'ils ont déjà vu ça. Tu vas leur expliquer. Tu ne peux pas dire que tu es doué, ça, ce n'est rien. Non. Il faut l'écouter. Donc, le Seigneur me dit,
pour qu'elle soit... pendant qu'elle me parlait, je lui ai posé une question. Quand tu as cru, est-ce que tu sens toujours la même chose? Elle dit, ça a diminué. Je dis, ah, ok. Si elle avait dit que rien n'a changé, ça allait aussi être un problème. Quand elle a cru, cette vision du passé a diminué. Ça veut dire que la sanctification a commencé à la séparer de cet esprit-là. Et le Seigneur me faisait comprendre que si elle se sanctifie très bien, il y aura dissociation et désincarnation en même temps. C'est ça qui l'a délivré. Ce n'était pas dans un livre. Qu'est-ce que je vais vous dire? Croyez que Jésus habite en vous. Mais ne croyez pas que vous connaissez tout. Non. Croyez seulement que Jésus habite en vous. C'est ça qui est important. Ne cherchez pas à connaître tout. Parce que Dieu est vivant. Et la vie même, la vie est dynamique. Tu peux délivrer quelqu'un ici en disant « sors une fois ». Là-bas, tu délivres quelqu'un en disant « sors 100 fois ». Et ici même, tu ne dis rien. La personne te dira que quand j'étais vu, un esprit est sorti de moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a ce que Jésus fait. Donc, la foi est fondamentale. Il n'y a pas de... Et une autre femme m'a dit la même chose. À Douala, je sais d'où je suis sorti. L'autre disait que la maison avait été en briques, mais n'était pas crépie. Tu vas discuter quoi dedans? Et le Seigneur Jésus m'a enseigné que même lui-même, il est venu dans le monde par incarnation. C'est-à-dire, il y avait un enfant, vrai bébé. Ce n'est pas une histoire, ce ne sont pas des fables. Il y avait un bébé et Dieu est entré dans ce bébé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, l'incarnation existe. Il y a des cas d'incarnation pleins, des esprits des morts qui habitent dans leurs enfants, pleins. D'autres leur donnent des songes qui s'accomplissent, ils sont païens, ils boivent, ils fument, ils se baladent. Mais ils te diront qu'un esprit lui a dit que quelqu'un vient demain. Et dès le lendemain, la personne vient. Une sœur m'a demandé, est-ce qu'il y a un démon de vérité? J'ai dit, non, il n'y a pas un démon de vérité. Parce qu'elle pensait que quand on dit faux prophète, ça veut dire que tout ce que la personne dit est faux. Je lui ai dit, non, il est faux parce que la source est fausse, c'est le diable. Un faux prophète peut te dire que telle chose va se passer demain, ça s'accomplit. Ne t'inquiète pas, ça existe. Il y a une petite fille, dans Acte 16, elle prophétisait exactement ce qui venait, ce qu'elle avait entendu. Et c'était la vérité. Elle dit, ces hommes-ci sont les hommes des serviteurs de Dieu. C'était vrai. Elle n'avait jamais vu les apôtres. Mais c'était un esprit de python. C'était un esprit de python qui était en elle. Et quand vous lisez le passage, vous allez remarquer que ça a quand même perturbé les apôtres. C'était nouveau. Un persécuteur comme Paul, il n'était pas un exorciste. Pour lui, un prophète, une prophétesse est en train de parler. La parole dit que fatigué, ça dit que ça a dépassé le diable, c'est le diable. Quand tu as le discernement, tu peux savoir que ça là, quel est ce Saint-Esprit ici? On a déjà compris, non? Ça devient qu'ils sont là. Ils se lèvent, elles se lèvent aussi. Il dit, sors au nom de Jésus. Le démon est sorti, la fille est libre. Ça lui a coûté une violente persécution. Donc, le faux, on est faux prophète. Écoutez-vous qui ne maîtrisez pas la doctrine. On est faux prophète parce qu'on a la source dans Satan. Ça vient du diable, les pitons, les soleils, les serpents, les morts. La Bible dit, si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort, il y a des gens qui ont en eux l'esprit des morts, pas la mort, l'esprit d'un mort.
pas l'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort, il y a la mort et il y a les esprits des morts. Un parent qui meurt, son esprit peut être dans la maison. Il quitte la tombe, il vient à la maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la délivrance à un haut niveau, l'une des premières choses que j'ai reçues, un jour le Seigneur me dit, qui vous a dit que l'âme est immortelle? C'est comme ça, j'étais là, j'entends, qui vous a dit que l'âme est immortelle? Que vous, ça c'est les païens qui pensent comme ça. Que, il me dit, moi j'ai dit que l'âme qui pêche, elle va mourir. Donc, il me dit, si l'âme était immortelle, pourquoi les sorciers tuent l'homme? Parce que quand le sorcier vient, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ton âme. Si c'est un marteau, il tape sur ta tête, il tape, il casse. Tu tombes malade, tu meurs. Mais il ne touche pas ton corps physique. C'est l'esprit qui ne meurt pas. Il faut bien lire la Bible. Et on ne dit pas qu'il a rendu l'âme. On dit, quand c'est le vrai langage spirituel, on dit qu'il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. On peut mettre l'âme en prison. On peut invoquer ton âme. Il y a un jeune homme, il était au début de l'œuvre. Il dit, un prophète les prenait, il les amenait en brousse pour leur enseigner comment on invoque l'âme d'un homme pour demander l'argent. Donc, il t'invoque, tu sors de toi-même et puis il te dit, donne-moi l'argent. Et le matin, il t'appelle. Tout ce qu'il va te demander, tu donnes parce que tu es déjà envoûté. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, voilà un domaine qui demande une grande sensibilité spirituelle. Vous n'allez pas rater. Et puis, ne doutez pas. Je parle comme ça parce que moi-même, j'ai souvent douté, beaucoup même. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il y a un cours que je donne, l'un des premiers cours. C'est que quand le frère nous a annoncé qu'il fait les week-ends, il organise les week-ends de guérison, j'ai décidé d'imiter. Et moi, j'ai toujours imité le frère. Quand il parle, j'écoute, j'écoute. Donc, un jour, j'ai organisé un week-end de guérison à Benjaville. Vous allez découvrir Benjaville. C'est là-bas qu'il travaille. J'ai prêché, les gens ont cru. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. J'ai prié pour les malades. À la fin de la prière, je commence à me poser la question, si je demande les témoignages maintenant, s'il n'y en a pas, je fais comment? Est-ce que vous me suivez? C'est comme si mes yeux s'ouvrent que bon. S'il n'y a pas de témoignage, tu vas, je dis, quel témoignage? Dieu a béni, quelqu'un a levé le doigt. Ce premier doigt levé là. Non, acclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'était là le déclic. Là. Il a dit la porte était ouverte. Et puis un autre dit qu'il était assis, sa colonne vertébrale était tordue. Il a entendu, crac, ça s'est redressé. Ah, acclamation à Jésus-Christ. Donc, ne doutez pas. Et ça m'a fait redéfinir la foi. J'ai dit, la foi, c'est pas qu'il n'y a pas de doute. C'est que le doute triomphe, la foi triomphe du doute. Avoir la foi ne veut pas dire que tu ne doutes pas du tout. Que la foi, c'est que le doute qui est en toi, là, tu le domptes. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point. Donc, il y avait les paroles. Tu ne peux pas dire aux gens, ne me troublez pas, moi, je veux croire. On te dit que Lazare sent déjà. Tu dis, pourquoi tu dis ça? Tu veux te détruire ma foi. Il faut dire que
même s'il sent déjà, il va ressusciter. C'est ça la foi. La foi ne détruit, c'est-à-dire la foi n'est pas l'absence du doute. La foi te permet de dompter tes propres doutes. Celui qui a dompté ses propres doutes est un homme de foi. Quand les gens disent, je sentais qu'il ne faut aller, mais j'hésitais et finalement je me suis assis. Ça veut dire que le doute l'a dompté. L'autre qui dit, après je me suis dit, non, il ne faut pas que je rate. Je me suis levé. Celui-là a dompté le doute. Et dans le ministère de délivrance, il faut apprendre à dompter tes propres doutes. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus appelle, Jésus établit, Jésus envoie pour porter du fruit. Et d'autre part, si tu as déjà entendu qu'il y a un frère qui dit que Jésus l'a guéri, ça, prends ça comme un message personnel. Prends ça comme un message personnel. N'attends pas quand ça va t'arriver. Non, 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 non. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, il dit que cela ne sorte jamais de votre cœur. Que personne n'oublie ce que ses yeux ont vu. Ça fait partie des armes spirituelles pour le ministère de délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez réussir. Et puis, nous marchons sur les prophéties. Ce qui se passe là, votre arrivée ici, c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties qui avaient déjà annoncé que des enseignements seront donnés en Côte d'Ivoire et les gens viendront des nations. Donc, soyez seulement très ouverts. Soyez très ouverts. Et concernant l'état du cœur, lisons un peu dans 1 Roi 10, verset 9. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. Lis 2 Chroniques 2, verset 11. 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 11. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Amen. 2 Chroniques 9, verset 8. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Amen. Salomon était très sage et intelligent. Mais son intelligence et sa sagesse lui étaient données pour qu'il soit utile au peuple. Donc, en réalité, quand tu as un bon discernement, c'est le peuple, l'amour de Dieu pour son peuple qui équipe Salomon. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu rendra possible à travers vous parce qu'il aime ses enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes très fort. C'est parce qu'il aime ses enfants. Il s'est dit, j'aime mes enfants, mais il leur faut la délivrance. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux dirigeants de ce peuple
le don de délivrance. Un bon pasteur sait très bien que tout ce qu'il est découle de l'amour de Dieu pour son peuple. Il ne faut même pas se vanter, même un peu. Et il ne faut pas douter, parce que tant que Dieu aime ses enfants, il va t'amener de progrès en progrès, de gloire en gloire. C'est pour cette raison qu'il est dit, tout ce qu'on demande des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est tout. C'est tout. Même dans le monde, le président de la République construit les hôpitaux pour quoi? Pour le peuple. Les écoles, pour le peuple. Il y a quelque chose qui fait que Dieu serve son peuple. Dieu est un serviteur. Et le dirigeant est un co-ouvrier avec Dieu. Les dons de guérison, de délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il attend que tu finisses l'école, les gens vont aller à l'enfer. Donc, Dieu baptise les gens avant même leur maturation. Les dons spirituels sont dans l'église avant même que les frères n'atteignent la maturité. Quand on va leur parler de la sanctification, la consécration, c'est après. Mais dès qu'ils croient, le Saint-Esprit les baptise, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue, ils prophétisent. Ça dit que Dieu les équipe pour commencer le travail sans perdre le temps. Chacun grandit donc avec ses capacités. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où tu es, il y a des dons qui sont enterrés, ce n'est pas que tu n'en as pas. Parce que le frère nous l'a enseigné que les dons et les talents sont enterrés quand il n'y a pas le travail dur. Tu seras béni. Tu vas croître. Tu vas connaître les mystères. Tu seras un instrument de bénédiction. Tu dois le désirer. C'est pour ça que j'ai dit, quand on écrivait le sujet de prière, que le frère Thoreau a élevé. Moi, quand je vois quelqu'un qui souffre, si c'est l'argent là, si j'en ai, quand j'assistais aux réunions de prière, même à Douala, j'ai travaillé, je suis à la réunion, j'ai l'argent dans mes poches. Je n'étais même pas encore marié, donc c'était encore là pour moi seul. Quand les enfants se lèvent, j'ai pris qu'à la rentrée, je n'ai pas encore l'argent pour les je regarde bien pour voir sa face. Je regarde, quand on finit là, je dis, toi viens ici, il faut combien? 35 000, je prends, je donne. Je croyais que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Parce qu'après, tu fais ça, ça finit même. Ça finit, les gens ont toujours les besoins. Alléluia. Un jour, j'ai méprisé un frère. Il venait de Douala. Il est venu à l'Est. Une sœur lui a demandé, je crois, 6 000 francs, combien là? Il a répondu avec le crayon qu'il a donné une leçon morale à la sœur. J'ai dit, les gens s'amusent. Quand je vais travailler, je vais aider les frères. Frère, quand j'ai travaillé, j'ai aidé l'argent. J'ai l'argent fini. Je comprenais qu'un homme ne peut pas être le Christ des autres. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait quand même ça. Et un jour, Dieu va te voir, il va t'appeler. Ah, celui-ci, il se débrouille quand même. Il veut le bien. Je l'enrôle. Un berger doit avoir un cœur compatissant. Un cœur miséricordieux. C'est le raccourci. Dès que Dieu te recrute en même temps, tu as pitié des âmes.
Dieu va te faire, Dieu va te rendre utile. Utile. Tu seras béni. C'est comme si, je veux te dire que c'est, le succès est garanti. Une femme, une païenne dit à Salomon que ça, ton Dieu aime vraiment son peuple. Et il t'a pris pour l'établir, pour t'établir roi. Dieu ne peut pas donner à son peuple quelqu'un qui ne comprend rien. Ce n'est pas possible. Et si tu l'ignores, il crée des occasions comme celle-ci. J'ai compris le renversement des principautés au camp à Douala. Dans une seule phrase, le frère Jacques est venu, il enseignait et il a dit, on ne chasse pas les principautés, on les renverse. On ne chasse pas les forteresses, on les démolit. Et puis, il a appelé un frère, comme je peux appeler le frère. Il dit, à un certain moment, le combat devient comme ça. À un moment donné, nous avons une force égale. Et il disait qu'il suffit seulement qu'un d'entre nous reçoive un secours et remporte. Parce que là, c'est déjà stabilisé. Si quelqu'un vient derrière moi, les tirs, nous allons gagner. Ça veut dire qu'il ne faut pas combattre seul. Nous le savons, hein, mais ce jour-là, c'est entré en moi. Quand nous avons fini, j'ai exhorté les frères à la nuit de prière. Je leur ai dit, vous voyez les principautés, ils sont dans les lieux célestes. Je leur ai expliqué comment on nous a enseigné. C'est là où une sœur sorcière est partie au marché le lendemain. Elle est tombée là-bas. Avant, elle nous disait que quand elle va chez sa mère à Bonabéry, elle entend les gens bavarder derrière la maison et chanter. Et puis quand elle dit à sa mère prend la cendre des foyers et met sur son visage. Dès qu'elle est tombée, ça veut dire que l'enseignement qu'on donnait, comment j'expliquais aux frères comment les principautés travaillent, comment on doit faire pour les renverser, ça l'a ébranlé. En fait, ça a ébranlé ses démons. Elle allait au marché le lendemain. Elle est tombée là-bas. Les gens sont venus la soulever, dit que non, ne m'amenez pas à l'hôpital, mon mari est un pasteur. C'était la première fois. On commande aux démons. Je n'étais pas là. Les disciples l'ont récupéré. C'était sa grand-mère. Les frères disent que c'était la voix d'une maman, vieille maman. Cette sœur-là, avant sa délivrance, un jour, elle est sortie de la maison. Elle a laissé une lettre écrite avec le stylo rouge. Elle dit que puisque tu ne veux pas considérer mes moindres efforts, donc je m'en vais chercher les anciens amis. Si je vois la bière, je bois. Frère, en Christ, ta femme te dit ça. Elle est partie. On sait qu'elle est partie où? Donc vous voyez donc quels esprits étaient derrière elle. La sorcellerie. On ne chasse pas les principautés, on les renverse. Alors on les renverse comment? Nous allons apprendre ça ensemble. Les démons, on les chasse comment? Là, nous allons réviser les leçons. L'envoûtement, on le détruit comment? C'est dans cette salle-ci, en 2018, que le Seigneur nous a révélé la notion de l'envoûtement. Ce jour-là, quand on a dit « brisons les envoûtements », mais il fallait voir ce qui s'est passé dans cette salle. Si quelqu'un pouvait croire que je connaissais avant, oh, c'est le Saint-Esprit vient de me donner le sujet. On priait ici, en 2018, on dirigeait la prière, je reçois que il faut comprendre que si quelqu'un a juré que tant qu'il est vivant, nous ne serons rien.
que Dieu l'enlève de notre chemin. Donc j'ai arrêté la prière, j'ai dit écoutez, prions que si quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans cette salle contre qui on a juré avec imprécation que tant qu'on est là, un sorcier a juré que tant qu'il est là, la personne ne peut rien devenir. Prions que Dieu enlève, parce que nous ne tuons pas les gens comme les autres. Nous prions seulement que Dieu l'enlève, nous on veut passer. Alléluia. Alléluia. Il y avait une sœur dans la salle. Elle dit que quand on a prié, elle a senti que c'était pour elle. Alléluia. On a prié mercredi, jeudi. Elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, on l'a enlevé. On l'a enlevé. Il y avait donc un directeur financier qui avait juré qu'il ne payera jamais ses factures. Il lui avait dit, tant que je suis là, on ne te paye pas. Elle avait une entreprise. Elle a servi, elle a travaillé. On devait payer les factures. Le gars refuse. Quand on a prié une seule prière, on l'a enlevé, on a placé les gendarmes devant la porte, devant le bureau. Le nouveau qui est venu, dès qu'il a vu la sœur, il dit, je te paye toutes tes factures. Jésus-Christ. Et un jour, j'étais là, il m'appelle, pasteur, tu es où? J'ai dit, je suis au bureau. Il a tout payé, j'arrive. Bon, je ne vous dis pas la suite. Qui n'est pas mauvaise, mais on ne dit pas tout en public. Alléluia. Frère, quand les brebis sont... Vous-même, vous allez bien dormir. Quand une brebis te dit que tu m'as conduit dans la prière, le diable est vaincu, tu dors bien, même si tu n'as rien à manger. Tu dors bien. Alléluia. Je vous dis la vérité, il y a une joie. Quand les brebis se portent bien, il y a une joie que le berger ressent. On ne peut pas donner ça sur la terre. Alléluia. Quand c'est comme ça, même si tu as 100 cas qui n'ont pas encore de solution, mais le seul cas là vaut 1000. Alléluia. Et comme le Seigneur le fait donc souvent bien, il va multiplier des pareilles expériences. Il va les multiplier. Vous allez croire en Dieu simplement comme les petits-enfants. Nous sommes partis en Allemagne. Il s'est dit que quand le frère Bonifa parle, on a la foi. Pourquoi? Je rends témoignage de Jésus. Je vous dis la vérité. Vous allez voir, frère. Ce ne sont pas les histoires en l'air. L'esprit qui vous a mis dans l'avion va vous montrer les merveilles de Jésus. Nous allons vous faire venir des frères et sœurs comme toi et moi qui ont vu les anges descendre, les guérir. Pas dire, on t'opère, tu te réveilles, tu es guéri, le mal a disparu. C'est là où j'ai eu ma foi a grandi. Avant, j'avais la foi contre les démons, les sorciers. J'avais la foi contre la maladie. Mais certains noms de maladies là, quand on les prononçait, je respirais d'abord très bien. Quand on dit le cancer, on dit le VIH-Sida, on dit insuffisant rénal, tu trembles, on dit hépatite C. Qu'est-ce que j'ai découvert? On prie comme on a prié là. On rend grâce à Dieu. Personne ne rend témoignage, on se sépare. Après, quelqu'un te dit que cette nuit, les anges sont venus, ils m'ont amené au labo, un bloc, m'ont opéré, ils m'ont montré ma maladie. Quand je me suis réveillé, il n'y a plus rien. Des cas, ce n'est pas un cas, des cas. Ça va vous arriver. C'est pour ça que Dieu vous a envoyé. C'est pour cette raison que je disais, soyez seulement sincères.
parce que je suis conscient du combat. Je suis conscient du combat. Parce que le ministère de délivrance demande beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Beaucoup d'humilité. Je dis bien beaucoup d'humilité.